me, I wonder who wrote it. Oh shit, okay, pray them niggas go away. Oh, we sell the clowns around, it look like Cirque du Soleil. This is not the album. Hey, salut tout le monde, c'est BlackRiot925. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous apporter quelques news concernant Destiny 2. Sans plus attendre, c'est parti à vos agendas, puisque pendant tout ce mois, il y aura des nouveautés qui vont être annoncées jour après jour. On commence dès à présent avec le 6 juillet. Le 6 juillet, une minute. Le 6 juillet, où il y aura l'exploration du nouvel espace social The Farm. Le 5 juillet plutôt, excusez-moi, c'est-à-dire demain, normalement il y aura une vidéo ou un truc comme ça. Le 6 juillet, il y aura la vision de Bengi pour Destiny 2, ils vont dire ce qu'ils attendent ou ce qu'ils ressentent par rapport à Destiny 2, leur impression. Le 7 juillet, nos premières impressions, ça je sais pas trop. 10 juillet, révélation PVP, en gros ils vont révéler un peu plus le PVP. 11 juillet, développer l'histoire de Destiny 2, on va en apprendre plus comment ils ont développé l'histoire de Destiny 2. 12 juillet, un regard plus attentif sur le Titan Sentinel, ils vont sûrement mettre du gameplay ou nous en apprendre plus sur le Titan Sentinel. Le Sentinel, si vous savez pas, c'est la doctrine du Titan Abyssal. 13 juillet, révélation PVP encore. 14 juillet, les sondes de Destiny 2, en gros la sonde Drake, tout ça. 18 juillet, Destiny 2 bêta en direct. Ils vont jouer à la bêta de Destiny 2, je crois, en direct, un truc comme ça. Et je vous signale que je serai en live tous les jours sur la bêta de Destiny 2. Je vais vraiment la farmer, je vais la torcher comme jamais. 19 juillet, un regard plus attentif sur les combattants. Ça, je sais pas trop. 20 juillet périphérique, je crois c'est ce qui va, c'est tout ce qui est modification au niveau des paramètres, un truc comme ça, je sais pas trop, hein. Peut-être je vous donne des fausses informations, une idée, localisation, je crois ça c'est au niveau des maps, tout ça, ils vont nous donner plus de détails. 24 juillet, groupe périphérique, c'est le 20 juillet, localisation 21 juillet, 24 juillet, une destination explorée. En gros, ils vont explorer une destination sûrement déjà explorée. 25 juillet, révélation PVP. 26 juillet, créer un exotique. En gros, on pourra créer un exotique. Ça, c'est chelou, c'est on peut créer un exotique. Hein. Je peux passer une arme de légendaire à exotique, ça serait un peu chelou. Et le 28 juillet, c'est une FAQ pour demande où Bungie répondra à toutes vos questions. Donc si vous avez des questions, vous pourrez aller sur leur site ou quoi et leur demander. Et poser votre question et elle sera peut-être lue et répondue. Voilà, c'était tout. Je récap. 5 juillet. 6 juillet, 7 juillet, 10 juillet, 11 juillet, 12 juillet, 13 juillet, 14, 18 juillet, 19, 20, 21, 24, 25, 26 et 28. De toute façon, il y aura un récap dans la description. C'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et à vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos concernant Destiny 2 et mes autres jeux. Du coup, c'était BlackRiot925 et ciao tout le monde.